À cause du temps, on avait interrompu. Aujourd'hui, c'est la phase des questions-réponses. Alors, dans la foule ici, on a besoin d'un musulman qui veut poser des questions. Des questions aux frères chrétiens. Et les deux vont répondre. Et on a besoin aussi des frères chrétiens qui veulent poser des questions aux frères musulmans qui sont là. Et les deux vont répondre. Donc tout à l'heure, on va prendre les noms. Tout à l'heure. Merci. Les gars, allons-y, on est lancé. Mettez un peu d'ordre, s'il vous plaît. Ici, c'est pour les femmes. Hein? Ici, c'est réservé aux femmes chrétiennes, musulmanes. Venez, vous allez vous asseoir. Le frère allait chercher des chaises pour elle. Elle va s'asseoir. Nous sommes garçons, on peut s'arrêter. Voilà. Ok. Qu'Allah facilite. Soyez les bienvenus, on rappelle, soyez les bienvenus à la DDRCL ouverte, à la Dawa dans la rue. Aujourd'hui, nous recevons nos frères chrétiens avec qui nous allons encore une fois échanger. Et nous invitons tous les frères chrétiens à venir à participer. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La DDR, nous sommes encore là. Aujourd'hui, c'est jeudi. Il est 16h53. Nous sommes à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, à Yopougon. C'est sur la place Figaro, que tout le monde connaît. Nous avons eu un débat le jeudi passé de façon amicale. On n'a pas pu prendre les questions. Aujourd'hui, il n'y a pas de... c'est pas un débat en tant que tel. On va prendre les questions. Et dans les questions, il y a des développements. Donc, le modérateur, tout à l'heure, va donner le top chrono. 5 minutes de part et d'autre. Si je comprends bien, c'est ce qu'on avait dit. Vous aurez 5 minutes pour répondre à la question qui sera posée par le public. Une question posée, c'est les deux camps qui répondent. C'est-à-dire que si un musulman a posé une question au chrétien, quand vous finissez de répondre en 5 minutes, nous on répond à la même question en 5 minutes. Un chrétien va nous poser une question. Nous, musulmans, on répond en 5 minutes, vous répondez à la même question en 5 minutes. Il se peut que nous, on ment sur la question qui a été posée, vous pouvez rectifier et puis donner la vraie version, la Bible, le Coran sur table. C'est bon? Ok. Modérateur, à toi la parole. Voilà, c'est le ramadan, donc on a commencé un peu tard, comprenez-nous. Allez, là, on est à 40%. Donc, on va... voilà. On va tomber ici, ils vont dire que Jésus nous a touchés. Ah. Après, c'est la mort courue que c'est un miracle qu'ils ont fait. Oh, oh, sous ne manque. Les gars, regarde ma mise à côté, ma femme va te réveiller. Il y a pour 200, il y a pour 300. On ne peut pas quitter ici sans payer le dégât là. On ne peut pas retenir ça. Donc, payer. Si vous n'êtes pas payé le dégât là, on n'a pas rentré chez vous. Non, c'est le même. Voilà, c'est ça on vit. Bismillah. Allons-y. Modérateur. Le micro. Ouais, c'est Michael Fong. Vous avez un chap-chap. Et tous les chrétiens. Allô. Allô. Tous les chrétiens qui sont aussi dans la foule qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui veulent participer aussi au débat, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui ont crié ici hier aussi, vous êtes les bienvenus. Nous, on ne crie pas. Tout le monde va passer au scanner de la vérité. Bismillah. Allô. Donc, sans plus tarder, on va déjà démarrer. Avec le frère Silver. Pas le fort, hein. Alors, moi, c'est Silver Kona. On s'est pas fait question. Que c'est le ici. Mets-toi ici. Je suis ici pour poser des questions aux frères musulmans qui sont là. Ah, c'est bon. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que Dieu peut se contredire? Autrement dit,
Est-ce que Dieu, dans sa parole, peut-il avoir des confusions? C'est la question? Oui, c'est la question. La première d'abord. On a les 5 minutes pour répondre. Ah, bah, quand tu dis la première, comment ça se passe? Il y a d'autres éventuelles questions. Je ne veux pas bien que ce soit comme ça. Attends, attention. On a fait des débats avec nos frères là, jeudi passé. Donc, on demande au public de poser la question sur le thème du jeudi. Oui, sur le thème du jeudi, parce que c'était Jésus est-il Dieu. Maintenant, si vous avez un cas particulier, vous le signifiez, on le traite. Si pour vous là, c'est un cas particulier. Effectivement, c'est un cas particulier. Voilà. Si vous voulez des questions sur le thème, je peux en donner. D'accord. Pour l'instant, on va prendre d'abord les questions sur le thème. Après, votre cas particulier sera traité. D'accord. Inch'Allah. Ok, donc je peux pas dire. Question pour le c'était quoi cas. La divinité de Jésus, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Savamment parlant, Dieu est un esprit. Alors, un esprit n'a ni chair ni os. C'est biblique. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Est-ce qu'un esprit peut enfanter d'un enfant? Est-ce qu'un esprit a une femme? C'est ça. Est-ce qu'un esprit? Je vais réitérer la question. Allons-y. Étant donné que Dieu est un esprit n'a ni chair ni os, est-ce que un esprit peut faire un enfant? S'il vous plaît, ordonnez, c'est pour les femmes, soyez ordonnés. D'accord. Et mon frère? Les frères. Ok, s'il vous plaît. Mon béni, passe derrière. Ne passez pas devant la caméra, voilà, soyons un peu. En tout cas, s'il y a une femme qui est arrêtée, un homme va se lever. Ça, c'est clair. Ok. D'accord, il faut qu'on aille. Soyez pas. Daouda, tu gères ici et puis on avance. Le frère, excuse-nous, hein, on met un peu d'ordre pour que ça soit bien ordonné. Répétez la question pour qu'on va répondre rapidement. Pendant que nous, on va répondre, il va mettre le chrono en marche, c'est 5 minutes, et puis on va avancer. Bon, stoppez les chaises là d'abord. Voilà, gardez ça d'abord. Gardez, personne n'est pas là. C'est bon. C'est bon? On peut? Ok. Parle fort. Je disais qu'un esprit n'a ni chair ni os. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'un esprit peut enfanter un enfant? Ok. Un esprit n'a ni chair ni os, comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean 4, le verset 24. Est-ce qu'un esprit peut enfanter? Non. Non. Pourquoi? Dans Luc 24, 36 à 37, Jésus-Christ a dit, touchez mes mains, voyez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc un esprit non seulement n'enfante pas, a plus fort raison pour dire qu'il va enfanter un homme. C'est un esprit. Il n'enfante pas, il n'a pas été enfanté. Donc si l'Éternel est esprit, il n'enfante pas. Pour dire que non, son enfant deviendra esprit. Non, il n'enfante pas. La sourate 112, c'est ça non? La sourate 112. Tu me demandes quand? Faut pas me demander. Quand on va à l'école, on va à ses bagages. Donc on vient d'un débat, on vient ses arguments. En fait, nous on répond à la question. S'il pose sa question là, c'est fini. Nous on répond à la question parce que ça va devenir un débat entre lui et nous. C'est pas ça. Quand lui pose une question, il sort du public. Nous on enseigne et après les chrétiens répondent à la question pour enseigner le public. Moi je pense que c'est comme ça. Parce que si on veut prendre du tic au tac à lui, ça va devenir un problème. Tu te complètes des choix à eux. Les autres posent la question. Monsieur Seydou est demandé. Seydou est demandé pour poser sa question. La question doit être précise et on donne 5 minutes pour répondre. Voilà. Chaque intervenant a une seule question. Vous posez la question et c'est tout.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous connaître, j'ai une question à mes frères chrétiens. Étant donné vous dites que Jésus est Dieu, il est mort et ressuscité, j'aimerais savoir, étant donné dans sa mort, qui dirigeait le monde? Voilà, voilà la question précise. Ils ont 5 minutes pour répondre, après nous on répond à 5 minutes. Gloire à Jésus. Alors, quand on prend le frère tout à l'heure, déjà je veux commencer par saluer le public qui est venu pour poursuivre le programme qu'on avait déjà initié la semaine passée, c'est-à-dire jeudi passé. Merci, parce que l'occasion de questions-réponses va nous permettre d'aller en profondeur par rapport à ce qu'on a déjà initié. Et la question du frère tout à l'heure, c'est de savoir si Dieu, Jésus-Christ est Dieu, quand il est mort 3 jours, qui dirigeait le monde? Et si le frère a fait attention, le frère à côté de moi ici a tenté de poser une question tout à l'heure, il dit Dieu étant esprit, et partant de là, il a posé sa question. Mais est-ce que à la croix, c'est un esprit qui était là-bas, ou bien c'est une personne charnelle qui était là-bas? Si, pour tous ceux qui nous ont suivis la semaine passée, on était en train de dire que Dieu est venu en chair, et Jésus le Nazaréen, c'est pas lui qu'on appelle Dieu, mais c'est l'homme qui servait d'habit à Dieu. Parce que quand il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis, c'est pas lui qui est né de Marie là qui est en train de dire ça. Il dit avant qu'Abraham, on sait que c'est longtemps après Abraham que Jésus est né. Mais il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Donc celui qui était avant Abraham là, c'est de lui qu'on parle. Et c'est pas lui qui était à la croix. Mais c'est l'homme qui a vécu en toute piété, qui est capable de sauver, qui était à la croix. Donc, quand il dit Père, pourquoi est-ce que, si vous suivez un peu le monologue qu'il avait à la croix, il dit Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? C'est l'esprit de Dieu qui était en lui qui se retirait. Hébreu nous enseigne que c'est ce même esprit qui est venu ressusciter Jésus d'entre les morts. Donc Dieu n'est pas mort 3 jours. Jésus est mort, il est ressuscité, mais ça ne veut pas dire que Dieu est mort 3 jours. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un esprit ne peut pas mourir, c'est ce que nous croyons. Et Dieu ne peut pas mourir 3 jours. C'est l'enveloppe qui lui servait d'habit, qui a été formé dans le sein de Marie, qui est né, qui a marché, qui était charpentier et tout ça. C'est lui qui est le sacrifice propitiatoire pour tous ceux qui auront besoin de justification et de rédemption en Dieu. Mais l'esprit éternel qui était en lui ne peut pas mourir. Et Hébreux nous enseigne que c'est ce même esprit qui s'est retiré de lui, qui est venu le ressusciter d'entre les morts. Donc il faudrait que les frères comprennent bien le langage qu'on tient avant de poser les questions, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc en gros, voilà ce que j'ai à dire. Si le frère est satisfait ou non, je pense que c'est en fonction de sa réplique qu'on peut. Si vous avez fini, le modérateur nous fait la passe et puis nous répond. Hein. On peut? Voilà, donc voilà ce qu'on a à dire. Voilà. C'est bon, on peut? Ok. Vous n'avez même pas répondu à la question pour moi. Hein. Un esprit n'a ni chair ni os. On est d'accord. Jésus-Christ dit lui-même, lui, il est un homme. Donc, il a la chair, il a os. Or, il s'agit de votre Dieu dont on s'agit. J'ai dit parce que vous avez dit que Jésus est Dieu. Mais qui était sur la croix quand il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Jésus. Maintenant, quand on dit, non, c'est un fourreau de Dieu, c'est écrit dans quel passage? Il ne faut pas faire ça. C'est écrit dans quel passage? Que c'est le fourreau de Dieu qui était sur la croix. Non, ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, c'est Dieu dans sa totalité, parce que pour vous, Jésus est 100%, Dieu est 100% homme. Donc c'est les deux cumulés là qui étaient sur la croix. Donc si Jésus-Christ est mort, qui gouvernait le monde? C'est la question. En d'autres termes, si Dieu est mort là, qui gouvernait le monde? Voilà le chauffeur des cars, voilà le cas, on s'en va à Boudjali. Et puis le chauffeur là est mort, mais le cas s'en va seulement pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis il ne rentre pas en brousse. C'est de ça qu'il s'agit. Dites la vérité aux gens. La réponse est simple. Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas mourir. Habakkuk chapitre 2, verset 12, Bible CPM, tu es saint, tu es Dieu, et tu ne meurs pas.
Sourate 25, 58, Allah il dit, place ta confiance à le vivant, celui qui ne meurt jamais. Tu dis Jésus est mort, alors que tu sais qu'il est Dieu pour toi. Mais en même temps, tu refuses que Dieu meure. Mais en même temps, tu dis Jésus est Dieu, mais il est mort. Bismillah. En fait, Bismillah Rahman Rahim. En fait, le problème, c'est que ici, nous sommes là pour traiter les patients. Et chaque patient qui vient a un cas particulier. Donc, il faut comprendre. En fait. Donc, ici, on va lire ce qu'il a dit. En fonction de ce qu'il a dit, la Bible va l'attraper pour savoir entre nous et lui, là, qui dit la vérité. Parce qu'il dit, Jésus était sur la croix. Et c'est l'esprit qui sortait de lui, là. C'est à lui, Jésus parlait. Est-ce qu'un corps peut parler sans un esprit? C'est pas possible. T'as déjà vu ça? Même quoi des petits de sci-fi, on nous montre pas ça. Mais on va lire, Jésus va savoir, on va savoir qui dit la vérité ou qui ment. Vas-y, Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus étant sur la croix, parce qu'un homme ne peut pas parler sans son esprit. Si ton Dieu te retire ton esprit, ton âme, tu es mort. Tu ne peux plus parler. Donc s'il parle, c'est parce qu'il a l'esprit en lui étant sur la croix. Maintenant, il va dire quelque chose. Moi, je te poser la question qu'il va te donner peut-être par lui ce soir. Allons-y. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il remet son esprit entre les mains de qui? Père, c'est ça là qui tu dois répondre. Parce qu'il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Bon, l'esprit est sorti, ça va dans les mains de qui? Vous dites qu'il est Dieu, non? L'esprit là, de Jésus là, il remet son esprit entre les mains de qui? Tu dis que c'est l'esprit qui sortait qui est Dieu. C'est ce que tu as dit. L'esprit qui sortait en Jésus, c'est ça qui est Dieu. Et voilà que Jésus dit, Père, je remets mon esprit qui sort là entre tes mains. On peut faire ça. Tu ne peux pas t'en sortir. Et puis aujourd'hui, là, on sera sans pitié avec vous. Il faut qu'on vous le dise. Donc, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il s'agit des mains de qui? Quand Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, là, selon vous, là, vous savez très bien que si Jésus meurt 3 jours et 3 nuits, Satan n'a pas encore goûté à la mort. Donc, en d'autres termes, le propriétaire du monde, c'était Satan. Vous-même, vous savez, voilà que votre Dieu a goûté à la mort. Que signifie la mort? C'est la séparation de l'âme et de corps. Et quand l'âme sort du corps, là, ça va chez qui? Un propriétaire. Lui qui a donné l'âme, c'est lui qui reprend l'âme. Donc si Jésus est mort, ne serait-ce que une minute, qui a pris son âme? Et c'était où? Jusqu'à 3 jours. Bon, pendant 3 jours, là, on dit Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est mort. Ou ça se donne au cathédron? Arrêtez de vous foutre des gens quand même. Dites aux gens, le Dieu qui est mort là, lui qui est mort là, c'est qui? Parce qu'il n'y a pas de. Y a pas, vous ne pouvez pas dire que non, c'est le corps seulement qui est mort. Bon, si le corps est mort, supposons que c'est le corps qui est, de Jésus qui est mort. L'esprit de Jésus est parti vers qui? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dites-nous, le Père là, c'est qui? Une bonne fois pour toutes, on sera situé. N'allez pas chez Philippe. Pardonnez. Toi qui es en bleu là, je connais ton visage. Hein. Pas parce que je ne sais pas qui tu es. Tu apparais sur Facebook. Je t'attendais en face. Il fait comme si je ne te connais pas. Aujourd'hui là, ça va se savoir. Il y a commentaire et puis il y a la réalité. Ce que tu as dit en commentaire là, tu as répété ça ici, tu as démontré ça ici. Si c'est vrai, je me convertis. Si tu es dans la vérité là, je serai sans orgueil. Je vais dans ton église. Mais tous tes commentaires vont prendre fin ce soir. Salam alaikum. Voilà, une minute. En d'autres termes, tous ceux qui sont en train de suivre ici, chrétiens, musulmans, dépassionnons le débat, écoutez les chrétiens s'ils vont prouver réellement que Jésus-Christ est Dieu. On demande à un musulman qui est Dieu, c'est Allah. Il meurt, non. C'est un homme, non. Est-ce qu'il a une maman? Non, comment Dieu va avoir une maman? C'est-à-dire que le musulman est cohérent, il est clair dans tout. Jésus est quoi? Non, tu sais quand il a pris cher, oh non, il est quoi? Il est Dieu. Mais sa maman s'appelle comment? Non, tu sais, quand Marie, mon frère, allons droit au but. Ou il est Dieu, ou il ne l'est pas. S'il est Dieu, il doit remplir toutes les caractéristiques de l'éternel Dieu. C'est-à-dire, il connaît quand est-ce que le monde finit. Jésus dit, lui, c'est pas quand est-ce que le monde finit. C'est dans la Bible. Marc 13, 32, Matthieu 24, 36, on peut vérifier. Voilà, je vais pas dire. Faux biblique au Figaro. Merci beaucoup. Alléluia. Non. On prend une autre question maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur Yao. Non, mais il faut que la personne qui a posé sa question soit satisfaite. Est-ce que tu n'as pas compris? Vous avez déjà répondu à la question, non? On a dit vous répondez en 5 minutes. Nous, on répond en 5 minutes. Nous, on répond en 5 minutes. La prochaine question, nous, on répond et vous répondez également. C'est comme ça.
si tu donnes un point de vue que je pense que ça peut réagir encore. Non, mon frère, je t'explique comment ça se fait. Quand l'autre va poser la question, là, dans ces 5 minutes, là, tu auras le temps de revenir sur ce qu'on a dit. Tu peux en répondant à sa question en même temps. Question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le jeune est venu poser la question. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Donc on prend un autre intervenant. Merci, monsieur. Monsieur Yao, est-ce qu'il est là? Bonsoir, cher frère. Alors, lève un peu le micro. Je suis venu pour vous poser une question. On vous écoute. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais nous tous, comme nous sommes ici, nous avons des parents et des grands-parents. J'aimerais connaître les grands-parents de Jésus. Côté maternel, côté paternel. Ok, merci pour la question. Selon la Bible, vous allez voir que le musulman, là, il est honnête parce qu'il veut vous sauver. Pourquoi? Jésus-Christ n'a pas de père. Mais il a une mère. Maman Marie. Il n'a pas de père. Selon la Bible, selon le Coran. C'est ça qu'on dit qu'il est Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, c'est comme ça qu'on dit les dieux là. S'il devait avoir Dieu parce qu'il n'a pas de père là, on devait prendre Adam pour Dieu parce qu'Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que Jésus a fait 9 mois. Adam est un créateur. Il est quoi? Il a un créateur. C'est Dieu qui l'a créé. Hébreux 17, Hébreux 15. Jésus dit, on dit c'est pourquoi Christ entend dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Qui forma le corps de Jésus? Dieu. Dieu a formé le corps de Jésus. Jésus dit tu qui? Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens d'après ce qui est écroulé dans le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il vient faire la volonté de qui? Lui-même, non. La volonté de Dieu. Jean 5, 30, je ne peux rien faire de moi selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui t'a fait quoi? Qui m'a envoyé. Tu es un envoyé? Oui. Celui qui ne m'aime pas ne gardez pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça fait deux. Jean 20, 17. Jésus dit, je m'en vais mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Si Jésus doit avoir un Père, dans même Jean 20, 17, il dit, je m'en vais mon Père qui est aussi votre Père. Si on veut prendre ça de façon littérale, c'est que Jésus et nous, on est même Père, mais on n'est pas même Père. Tu es en train de me faire comprendre que Jésus est Père, c'est le Père qui l'a envoyé. Après, quand tu me dis, il n'a pas un Père. J'ai dit, Jésus dit dans la Bible, le Père m'a envoyé. Vous vous dites quoi? Jésus est un Père ou n'a pas un Père? Je répète, Jésus n'a pas de Père biologique. Pardon, c'est un Père adopté. Tu m'écoutes? C'est pas un Père adopté. Peut-être que comme allons, c'est pas les jeunes, on peut se comprendre. Allons, hein, ça. Oui, mais entre nous les jeunes, peut-être qu'on peut se comprendre. Voilà, on dit, dans la Bible ici, le mot Père, là, ça a un sens. Jésus a été créé par Dieu. En d'autres termes, Jésus appelait Dieu son Père. Pas son Père biologique, mais en tant que son l'être unique à être glorifié dans la Bible. Donc quand tu vois le mot Père, là, ça a sa signification dans la Bible. Matthieu 5, 9. Donc pour dire, Jésus a été créé. Si il veut savoir, si tu as posé la question de savoir, il est né miraculeusement, donc il est Dieu. Non. Faut pas sa naissance va te faire passer pour lui en tant qu'une divinité. Parce que Adam est né miraculeusement aussi. De la même manière que Melchisedec n'a pas de papa, il n'a pas de maman dans la Bible. Mais vous ne l'adorez pas. Écoute ce que Jésus dit, Matthieu 23, non, 6. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Il dit n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. Un seul est votre père. Nous tous, un seul est notre père. Qui? Celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Vas-y. Ne vous faites pas appeler directeur. Un seul est votre directeur. Un seul est votre directeur. Le Christ. Donc tu vois qu'il manque une différence entre lui et le Père. Donc si tu es d'accord que Jésus est né miraculeusement, la question à se poser c'est de savoir qui l'a envoyé miraculeusement. Il faut poser ça au pasteur. Il faut la demander. Qui a envoyé Jésus miraculeusement? Voilà, merci beaucoup. Tiens, chapeau cadeau. Comme tu as posé la question, prends chapeau cadeau. On est dans le temps. Voilà. Il va lire, écoute ce que la Bible dit dans Romains 8, le verset 14, concernant Fils de Dieu par rapport à ta question. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ici, on est fils de Dieu. Ok, nous sommes fils de Dieu, mais nous avons des parents biologiques, n'est-ce pas? Mais Dieu, c'est vrai, tu poses une très belle question. On a nos parents biologiques. Et nous avons aussi nos grands-parents. Oui, nous avons nos grands-parents. Vous dites encore que Jésus est un homme, n'est-ce pas? Oui, c'est un homme. Il a une mère qui est mariée. Il a une mère, n'a pas de il père. Il a un grand-parent. Selon la Bible. Voilà, selon Dieu. Écoute, pardon, on t'explique. Jésus est né miraculeusement, c'est un homme. Selon la Bible. Tu avais dit qu'il est né à moitié. Non, il n'y a pas moitié. Il est né. Adam et Ève n'ont pas de
père et de mère. Oui. Est-ce que Jésus lui a une mère? Mm-hmm. Il n'a pas de père. Oui. Explique-moi ça va être. Voilà. C'est la... Dieu nous dit, ça fait partie des quatre manières qu'il a voulu que le monde soit. La première manière, il dit, il a fait ce premier miracle, il a créé sans père, sans mère, Adam. Je ne comprends pas. C'est écrit où? C'est coranique. Dieu nous explique ça dans le Coran, comme que ça fait partie des quatre manières de miracles de création. Maintenant, on va réfléchir pour voir si c'est faux. Je vais t'amener à comprendre. Adam a été créé sans père, sans mère, non. N'est-ce pas? Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Dieu dit c'est le premier miracle. Deuxième miracle, il a créé avec un père sans mère. Qui? Ève. Ève là. Il a dit, je ne donne pas de passage. Monsieur, écoute, non, vous m'expliquez sans passage. Parce que nous c'est selon les passages, c'est que nous sommes. Est-ce que selon la Bible, Ève a papa? Je te demande. Tu as vu, non? C'est Dieu qui les a créés. Dieu a créé Ève avec la porte. C'est ça, Antoine, c'est ça que j'allais t'expliquer. Donc, c'est ça, c'est écrit. N'est-ce pas? Peut-être m'expliquer ce que vous. Maintenant, quand il est sorti de la côte là, c'est une femme qui l'a accouché là-bas. Mais c'est un miracle, mais c'est Dieu qui est dans la Bible. Mais le miracle que vous êtes fait comprendre là, je veux connaître les grands-parents de Jésus. On n'est pas dans le palais des grands-parents de Jésus. Jésus n'a pas de grands-parents paternels. On peut te montrer ça selon le Coran. Mais dans la Bible, là, Adam est ancêtre de Jésus, son grand-père. Et Abraham. Tu ne crois pas ça? On est sorti. Matthieu 1, verset 1. Ok. On est sorti. Mais modérateur, on dit, quand quelqu'un vient poser la question, il pose la question, il s'en va et puis nous répond. C'est ce qu'on a dit. Donc la même question aux chrétiens, prochainement tu ferais pareil. Prochainement celui qui vient pose et puis s'en va. Et puis ça va parce que s'il veut rester, s'il veut rester pour débattre, il se met avec eux. Donc il veut que vous lui montrez les grands-parents de Jésus et pourquoi Jésus est fils de Dieu. On a encore le temps. Alors, donc comme on le disait. On va récupérer ça après, on va bien expliquer ça. Alléluia. Amen. Alors déjà je veux rebondir sur l'explication que le frère a donnée concernant la divinité de Jésus-Christ. Et tout. Nous voyons que pour ceux qui étaient là le jeudi passé, on a commencé par Ésaïe 35 qui a eu son accomplissement dans Matthieu 11. Et si on veut prendre un autre texte, dans Ésaïe 40, le verset 3, a eu son accomplissement dans la nouvelle alliance encore. Et Jean, qui est l'un des disciples qui a marché avec Jésus-Christ, dit, il ne dit pas que Jésus nous a dit qui est Dieu. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable. Quand on prend ce test, il y a un seul qui n'est pas connu dedans. Le véritable qu'on est en train de chercher est le Fils qu'on a identifié à Jésus-Christ. Et on dit c'est lui qui est le Dieu véritable. Il a pris tout à l'heure Jean chapitre 20, le verset 17. Mais quand on continue, on descend au verset 27, on voit que l'un des disciples qui a marché avec Jésus-Christ, Thomas, est venu à Jésus-Christ parce qu'il était incrédule, il ne croyait pas. Et Jésus dit, avance ta main, touche ma main, touche mon côté. Et quand il a fini de toucher, sa réaction c'était de savoir et de dire, mon Seigneur, mon Dieu. Il n'a pas dit autre chose. Et Jésus aurait pu le reprendre s'il était faux dans ce qu'il disait. Mais Jésus n'a pas répliqué, il s'est mis à genoux et il a adoré. Donc pour dire que nous croyons en un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Il a annoncé, a planifié, voici la voix qui crie dans le désert, et il a parlé. Son accomplissement s'est fait en Jean-Baptiste, qui dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Et Ésaïe 35, verset 4 à 6, Jésus dit qu'il est la reproduction de ce qui a été annoncé. Et il dit, au milieu de vous, c'est ce qu'il dit à ses disciples, au milieu de vous, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous n'êtes pas encore prêt à entendre ces choses. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, Jean, qui a marché avec lui, voici sa révélation que je viens de donner dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Il dit, nous a donné l'intelligence, il nous a pas dit ouvertement, voici Dieu, parce que ce n'était pas le but de sa mission. Dans sa mission, en tant que quelqu'un qui est dans une enveloppe charnelle, ça dit, le Père qui quitte la création, pour être au milieu de la création, qui quitte sa position de créateur, pour être
au milieu de la création, il vise un but. Et ce but, c'est de racheter tous ceux qui sont tués. Puisque actuellement, les frères musulmans sont dans le ramadan. Et ils vont tuer mouton. Après, pourquoi? Parce que la loi leur enseignait que c'est par l'effusion du sang de ce mouton-là qu'ils ont la rémission du péché de, qu'ils ont commis jusqu'ici. Mais sans effusion de sang, selon ce que dit Hébreu 9, il n'y a pas de pardon de péché. Et le sang qui est parfait, qui fait une rémission éternelle, il n'y a que Dieu qui est sans défaut, qui peut marcher en toute sainteté, qui offre ce sang-là. Et Dieu est venu en chair selon ce qu'il a promis. Il y a plus de passages qui ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ pour offrir le sacrifice pour tout le monde. Et Jean, après la résurrection de Jésus-Christ, l'a dit ouvertement. Il nous a donné l'intelligence. C'est pourquoi, le jeudi, quand on commençait, j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 16, pour dire que quand on est en train de parler entre nous hommes, il y a une pensée, une intelligence qu'on a. Mais quand on parle des choses de Dieu, il y a une autre intelligence qu'il faut avoir. Parce que l'intelligence est soumise à la logique. Et la logique elle-même est soumise à la capacité, à la puissance. Vous voyez, si vous demandez à un homme de marcher sur l'eau, il va trouver que c'est stupide. Parce qu'en raison de son poids, il ne peut pas marcher sur l'eau. Mais si c'est Dieu qui est amené à marcher sur l'eau, c'est tout à fait naturel. Donc quand on est en train d'adapter ce qu'on voit couramment entre nous ici, à la réalité que peut refléter Dieu, il faudra qu'on tienne compte de ses capacités, de ses attributs. Dieu est omniscient, nous ne sommes pas omniscients. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut toute chose. Il peut être une fourmi et avoir la puissance de Dieu en lui. Il peut être un homme. On a vu, les anges sont descendus, ils se sont présentés à Abraham, ils ont mangé avec lui. Pourtant, ils sont esprits, puisqu'ils sont anges. Mais la Bible rend ce témoignage-là. Donc, quand on est en train de parler, il ne faudrait pas que on tente de ruser pour stimuler la foule. Je vais vous inviter à la vigilance, cher public qui nous écoute. Voici une chose. Merci. Le temps. Mais je pense que notre temps passe vite. Bon, s'il vous plaît, ceux qui sont derrière les femmes là, s'il vous plaît, si vous pouvez dégager un peu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, derrière les femmes. Monsieur Trapp, demandez. Monsieur Trapp. Qui ça? Monsieur Trabou. Pose ta question. C'est lequel alors? Bonsoir monsieur. Moi je voulais poser une question aux chrétiens. Les dimanches ils vont à l'église. Je voulais savoir si c'est public. Oui. Tu appelles son nom? Questionnaire. Le prochain c'est qui? Après monsieur Traoré c'est qui? Monsieur. C'est quoi? Chargé pile de micro. Kamal. Monsieur Kamal. Kamal a demandé. Inch'Allah, je voulais poser une question aux chrétiens. Dans Actes 5, verset 30 à 31, l'apôtre dit, le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus que vous avez tué au poids. Mais il veut savoir, c'est de quel Jésus s'agit, c'est de quel Dieu il s'agit. Question est posée. Vous avez 5 minutes pour répondre, nous on a 5 minutes pour répondre à la même question. Ok, gloire à Dieu. Le frère vient de poser une belle question. Il dit, dans Actes 5, verset 30 à 31, on voit l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul qui dit,
que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. En fait, c'est le travail que nous voulons faire depuis le dimanche, et le jeudi passé, qui malheureusement, pour une question de désordre, on n'a pas pu travailler selon le programme qui nous a été donné. En fait, pour les frères qui posaient la question le jeudi passé là, s'ils sont d'ordre, notre Dieu est un Dieu d'ordre. On a répondu à aucune question parce qu'en réalité, c'est aujourd'hui que nous devons répondre aux questions. On pose des choses jeudi passé, on nous demande de répondre pendant qu'il y a un temps de questions de répondre, on ne peut pas répondre. C'est très dur maintenant pour que nous puissions répondre aux questions. Nous disons depuis le jeudi passé que pour savoir que Jésus est Dieu, là, c'est pour ça que toutes ces personnes sont Dieu. Ils vont ni savoir la Bible, ils ne vont jamais comprendre que Jésus est Dieu. Parce que ce n'est pas un verset. C'est pas un verset, mais c'est l'intelligence qu'il faut avoir. Qu'il y avait plusieurs versets collés, on peut arriver à la conclusion que Jésus est Dieu. Jésus dans sa chair. Il demandait à un verset de savoir pourquoi Jésus lui n'a pas dit qu'il est Dieu. Jésus dans sa chair n'est pas venu pour dire aux gens qu'il est Dieu. Il ne pouvait pas le dire. Selon la Bible. Vous ne comprenez pas la Bible, c'est selon que ce vous a dit. Votre intelligence, 16, verset 2. Jean chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera toutes les choses à venir. Ouais, voici un passage qui, par exemple, quand l'homme Chanel lit, il est un peu perdu parce qu'il ne peut rien comprendre. Tout ce qui est de la Bible, c'est comme ça qu'ils vont toujours faire. Parce que comme on l'a dit dans 1 Jean 5, le verset 3 à 21, on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous appelle l'intelligence. Nous savons que Jésus est Dieu, ce n'est pas un verset. C'est une révélation, donc l'intelligence qu'il faut avoir. Vous comprenez un peu? Et cette intelligence, nous l'avons eue. Vous n'avez pas eu, c'est parce que quand vous lisez la Bible, vous ne voyez rien. Et tout à l'heure, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que Jésus est Dieu. C'est pas un verset, c'est plusieurs versets collés qui nous permettent de comprendre que Jésus est l'intelligence de Dieu, qui nous fait savoir que Jésus est Dieu. C'est pas un verset. Quand il y a des vidéos, on dit, montrez-moi un verset, où Jésus est Dieu. C'est. On va revenir répondre. Alors, dis-toi, retourne à zéro, prends le livre d'Ésaïe 37. À partir du verset 4. Ok. Ésaïe 37, verset 4 dit, Dieu dit, je viendrai moi-même. Allons-y, on vous écoute, hein. On vous écoute. Dieu dit, je viendrai moi-même. Ésaïe 37, verset 4. Il dit, je viendrai moi-même. Je ne veux pas avoir de porte-parole. Je vais venir moi-même. Tonton, chapeau là, tu as l'argent de micro. Tu as l'argent pour payer le micro. On souffre pour les mettre à l'aise. Ce n'est pas de notre faute, on ne fait pas exprès. Super, merci. C'est bon? C'est très bon. Excusez-nous, c'est pas de notre faute. Il n'y a pas de problème. Ok. La dernière fois, notre tonton a dit quelque chose. Dieu a annoncé une prophétie à Esaïe où il a dit qu'il va venir lui-même. Et même Esaïe 40, il dit qu'il y a quelqu'un qui va venir pour aplanir le chemin de la personne qui doit venir. Quand Dieu va venir lui-même. On a dit que j'ai payé à ces Français. Quand quelqu'un dit je vais venir, je vais envoyer quelqu'un pour venir pour parole. Mais quand il dit je vais venir moi-même, ça veut dire que c'est sa personne en chair qui va venir. Et quand le Messie qu'il a donné, il dit lui, pour parole, va venir pour nettoyer le chemin. On a vu après que la personne qui va venir pour appeler le chemin, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a appelé le chemin de qui? On a eu la réponse dans le livre de Matthieu. On a compris clairement qu'après que Jean-Baptiste a appelé le chemin de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, c'est l'intelligence qu'il faut avoir pour savoir que Jésus est Dieu. C'est pas un verset. Vous avez lu plusieurs fois, vous serez perdus. Parce que ce n'est pas une question de verset. C'est plusieurs versets qu'il faut comprendre pour avoir la révélation que Jésus est Dieu. On va lire un dernier passage. Lisez Apocalypse. Faut prendre Apocalypse là. Ah, ah.
voudrais ton temps infini, hein. C'est 5 minutes. Non, allons-y. Okay, nous avons une minute pour poursuivre, selon ce qu'il a dit. Donc c'est ce que je voulais dire en fait. La question du frère, c'était, ça concerne toujours la divinité de Christ. C'était toujours la divinité de Christ. Et comme on l'a dit, Jésus ne s'est venu en chair, n'est pas venu pour dire aux gens qu'il est Dieu, il est venu pour accomplir une mission bien précise. Il est venu pour prendre la place des hommes, pour que leurs péchés soient pardonnés. Parce qu'un homme qui est pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Il faut un saint pour sauver un saint. Mais c'est cette mission qu'il est venu accomplir dans sa venue à chair. Maintenant, il dit dans sa venue à chair, il n'est pas venu pour dire aux gens qu'il est Dieu. C'est une révélation. C'est qu'il va partir après, il va venir dire aux gens qu'il est Dieu. Voilà Jésus lui-même qui dit en révélation maintenant qu'il est Dieu. On lit le passage. Et Apocalypse chapitre 21, le verset 16. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le temps est fini. Il est presque 18h déjà. On a le temps, on peut? Alhamdulillah. Il y a deux questions qui ont été posées aux frères. Ils n'ont pas répondu à l'une de ces questions. La première personne a demandé qui sont les grands-parents de Jésus. Ils n'ont pas répondu. Il a pris 5 minutes pour expliquer Isaïe 35 et tout. Deuxième question, c'est quel Dieu qui a ressuscité Jésus dans Actes 5, 30 à 31? Il n'a pas répondu. La Bible est claire. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Le Dieu de nos pères a ressuscité. C'est quel Dieu qui a ressuscité Jésus? C'était sa question. Jésus n'est pas Dieu. Le Dieu qui peut le ressusciter des morts et qui va nous ressusciter tous de la mort, c'est lui qui a ressuscité Jésus selon la Bible. Donc, tu réponds à la question simplement. Oui, c'est parce qu'il y avait des ordres. Jésus n'avait pas le temps de dire. Dieu a dit dans Isaïe 46, 9. Je suis Dieu. Il n'y a pas un Dieu à part moi et nul n'est semblable à moi. Il a dit ça dans un seul verset. Il n'a pas pris. Ici, il a pris de quoi? Non, Jésus ne pouvait pas le dire. C'est quand il est parti, après il est revenu dire. Pourquoi? Mais tu as Dieu. D'abord, il est parti où? D'abord, vous il a pas dit où? Tu dis quand il est parti, c'est là qu'il est revenu dire. Non, tu as pris 1 Jean 5, 20. Le Dieu de nos pères. Donc, 1 Jean 5, 20. Sachant que le Fils de Dieu est venu. Qui nous a donné l'intérêt. D'abord, ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est le Fils. Le Fils de nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, Jean l'a dit, non? Mm-hmm. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même a dit du Dieu véritable? Vous ne lisez pas la Bible. Jean 17, 3. Jésus dit, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi qui, le seul véritable Dieu, et me connaît, et me reconnaît comme son envoyé. On dit dans 1 Jean 5, 20, que Jésus est le Dieu véritable. Jésus lui-même, ça va démentir 1 Jean 5, 20 pour dire non. Toi, le seul véritable Dieu, et me reconnaître comme son envoyé. De quoi nous parlons là? Tu dis non, tu mouton dans Ramadan. Depuis quand on tue mouton dans Ramadan? C'est dans Tabaski. Et puis ça va vous pardonner nos péchés. Et on va lire le verset, tu vas entendre. Vas-y, lis le verset. Nous avons, surat 22, verset 36. Surat 22, verset 36. Tu vas voir ce qu'on fait un mouton. Allons-y. Nous vous avons désigné les chameaux. Les chameaux. Et les vaches. Les vaches. Bien portant pour certains rites. Les gros moutons là, les gros moutons là. Pour certains rites établis par Allah. Pour certains rites établis par Allah. Il y a en cela pour vous un bien. Il y a en cela pour vous un bien. Prononcez donc son nom. Prononcez le nom d'Allah sur ces bêtes. Sur ces bêtes. Quand ils sont. Quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, d'accord, mangez-en et puis nourrissez le besogneux. C'est tout. Alors je continue. Discret et mendiant. On mange non plus, on prend aussi, on partage aux besogneux, discret aux mendiants, etc. Ainsi, nous vous les avons assujettis. On a assujetti les moutons là pour vous. Afin que vous soyez reconnaissants. Pour que vous soyez juste reconnaissants. Continue là. Ni les chairs de ces moutons là. Ni le sang de ces moutons là. N'atteindra Allah. Ça atteint Allah. Mais ce qui l'atteint. Ce qui atteint Allah, c'est quoi? De votre part. Oui. C'est la piété. C'est vos péchés. C'est la piété. C'est vos sujets. C'est la piété. C'est la piété qui accompagne l'action là qui. Mon frère,
Attends, si on tue un mouton pour pardonner le péché, tu sais pas qu'on avait combien de péchés par jour? C'est que le Abidjan il ne savait pas avoir mouton. Ah, on a tué un mouton, et puis toi t'as l'air un mouton pour chaque péché. Ah, ah. Réfléchissons les gars. Oh, il faut voir. Maintenant, revenons maintenant aux apôtres. Prince, vraiment ce verset là. Vous avez dit que vous, les apôtres eux-mêmes de Jésus là, eux ont cru que Jésus était Dieu. Catastrophique et abominable. Quand vous dites ça, vous trouvez que non, on est en train de guérir la foule. On vous dit la vérité. Sauf que la foule réagit en fonction de la vérité. Si on ment, tous ceux-là ne sont pas les enfants. Ils ne sont pas les enfants. C'est parce qu'en réalité, vous n'avez pas l'habitude de voir des gens vous contredire. En fait, là, vous prêchez d'habitude. Il n'y a personne qui vous contredit. Parce que la DDR est là pour vous contredire, ça vous gêne. Voilà pourquoi vous pensez que non, il faut beaucoup de versets pour dire que c'est Dieu. Bon, Jésus il est en face des gens. Il est venu pour amener les gens à sortir de l'adoration des idoles pour adorer Dieu. Toi, tu dis non, il ne va pas dire qu'il est Dieu. Jean 18, 20. J'ai dit ouvertement au monde ce que j'avais à dire. Je n'ai rien dit en secret. Il dit, je n'ai rien dit en secret. Mais comment lui, il est Dieu? Il va cacher ça. Il lui va cacher ça. Comment pas le Seigneur? Lui, il est Dieu. Si il ne dit pas qu'il est Dieu, les gens vont adorer qui alors? Donc, lui, il est la cause des gens pour aller adorer le diable. Regarde la prière des disciples, Actes chapitre 4, verset 24 et suite. Tu sais que tu n'as jamais lu ça. Lorsqu'ils l'eurent entendu, vas-y, ils élevaient à Dieu la voix. Tous les disciples vont élever à Dieu la voix. Tous ensemble et dire. Tous ensemble vont commencer à prier. Seigneur, Seigneur, toi qui as fait le ciel. Écoutez bien. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui s'y trouve, vas-y. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est toi, Dieu, qui a parlé par le Saint-Esprit. Par la bouche de notre Père. Par la bouche de notre Père. Ton serviteur David. Ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi il y a tant de tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les vaines pensées parmi ces peuples? Les rois de la terre. Les rois de la terre. Se sont soulevés. Ils se sont soulevés contre ton peuple. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur. Les disciples sont en train de prier. Écoutez bien la prière. Ils sont en train de prier. Vas-y. Et contre son oué. En effet. Contre ton saint serviteur Jésus. Entre quoi? Contre ton saint serviteur Jésus. Jésus est le saint serviteur de Dieu selon les apôtres. Ils ont pris 15 secondes de plus. Sécurité, s'il vous plaît. Regardez, ne laissez pas les gens rentrer. Il y a une fille qui veut poser des questions. Doucement. Monsieur Conan est demandé. Monsieur Conan. Est-ce que Monsieur Conan est là? Si Monsieur Ah, il est là. Laissez-le. Ok. La liste là. Oui. Monsieur Conan n'a pas de questions sur la divinité. Ok, allons-y. Il n'a qu'à venir jeudi prochain, Inch'Allah. Monsieur Rodrigue. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. WhatsApp. Ah bon? Qu'on va discuter après par WhatsApp. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ma question, en fait, a deux volets. Prenez le bloc de micro, c'est voilà, merci. Ma question a deux volets. Allumé. Allô? Ma question a deux volets. La première se situe au niveau de l'identité de Jésus. Selon la Bible, Jésus est la parole de Dieu et selon le Coran,
Jésus est aussi parole de Dieu. Et Jean 1, verset 1 est clair. Et j'ai envie de le lire. Il a combien de minutes pour poser sa question? Ok. Jean 1, verset 1, il est écrit. Il n'y a point d'interprétation. Voici ce qui est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Première question. Excusez-moi. Première question. Si Jésus est la parole et que la parole est Dieu, pourquoi les musulmans disent le contraire? Deuxième question. Jésus a-t-il été une fois adoré dans la Bible? Merci. Merci à vous. Alhamdoulilah. Non, 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 vous partez. Non, vous allez être là. Si vous êtes là, ça va devenir un débat, alors que le débat s'est entretenu et puis voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous pour votre programme. Le frère là, il va vous enregistrer, inchallah. Alhamdoulilah. C'est à nous la question est posée. C'est à nous la question à poser, c'est nous répond. Voilà, c'est nous répond et après on attend le modérateur. Modérateur, on t'attend. Hein. On peut? Ok. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je dis et je le prouve publiquement, la parole de Dieu n'est pas Dieu. C'est écrit. Je vous donne ce que je sais de cet enseignement-là. Parce que si la parole de l'éternel Dieu est Dieu lui-même, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, la lumière devient Dieu. Parce que c'est sa parole qu'il a pris pour créer la lumière. Psaume 33, verset 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Au verset 9. Quand il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Est-ce que la terre est Dieu? Mais est-ce que la terre a été créée par la parole de Dieu? Oui. Est-ce que Jésus a été créé par la parole de Dieu? Oui. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Si la lumière est Dieu, la terre est Dieu, tout ce qui a été créé par la parole de Dieu est Dieu. Réponds à la question. Pour répondre à la question, toujours dans Jean, Satan devient Dieu parce qu'il a été créé par la parole de Dieu. Pour répondre à la question, Jean 1, verset 1. Allons en profondeur. Le monsieur a lu Jean 1, verset 1. La parole était Dieu. Oui. Mais écoutez, comment nous aussi, on va se faire le plaisir de lire Hébreux 10, verset 5. Fort volonté. Pour fermer la bouche de tous ces patients. Continue, mon frère. Écoutez bien. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Jésus lui-même entra dans le monde a dit. Oui. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tonton, Jésus dit. Tu n'as voulu ni sacrifice. Dieu. Offrande. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. La première question intelligente et intelligible que l'homme doit se poser. Oui. Par quoi forme-t-il le corps de Jésus? Quand tu dis par la parole. Elle arrive. Quand il veut une chose. Il n'a pas à mourir. Misa Aradajayan. Par la parole de Dieu, Jésus fut. Voilà pourquoi dans la suite, Jésus m'a dit. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et non, on m'a envoyé. Oui, et non, je suis descendu moi-même. Je viens de la part de Dieu, pour faire. Oh Dieu, ta volonté. La volonté. La parole de Dieu fait quoi? La volonté de Dieu. Donc Jésus n'est pas la parole de Dieu, mais la manifestation de la parole de Dieu. C'est parce que Dieu a dit que Jésus fut. Clair. Maintenant, pour répondre à la deuxième des questions, pour savoir est-ce que Jésus a été adoré, jamais de la vie. Maintenant, calmez-vous. Jamais de la vie, Jésus n'a été adoré dans la Bible. Mais, ne vous trompez pas, parce que je vais vous faire voir des choses que vous n'avez jamais vues. Allons ça. Dans Jérusalem ici, J'ai dit le frère, l'Esprit Saint a commencé à agir déjà. L'Esprit Saint agit. Papa fait quelque chose. L'Esprit Saint est fou. Papa fait quelque chose.
prophétique. Allez, ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Radicalisation prophétique. On va dans l'essentiel. S'il vous plaît. Ça, c'est la DDR. Ceux qui savent lire le Coran, allez lisez Ayat al-Kursi. Ok. Bon, faites la sortie, sécurité. C'est bon, il n'y a plus qu'à sortir la bombe. Si vous êtes déjà, on commence à tomber. Donc, il y a gardé. Dites papa, parle, je parle. Bon, le frère, écoutez bien. En fait, c'est pour juste égayer la foule. Mais écoutez, Jésus n'a jamais été adoré dans la Bible. Le mot adoré fut est écrit. Mais attention. On a une version de la Bible qui va vous expliquer qu'est-ce que signifie le mot adoré qui était là-bas. Voilà la Bible. Vous êtes juste en face d'une mauvaise traduction. On va lire le passage. Vas-y, mon frère. J'ai lu d'abord la version du second. Écoutez bien la version du second que vous avez lu. 24-52. Non, on savait où. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Très bien, c'est la partie là que vous avez pu. Vous êtes arrêté dessus comme caillou. Il a enlevé ça maintenant. Maintenant, on va lire maintenant la vraie version de ceux-là même qui ont écrit la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, oui, s'étant prosternés devant lui. Ils se sont prosternés devant lui comme signe quoi? C'est pas signe d'adoration, mais signe de lui rendre hommage. Selon la Bible. Claire. Maintenant, si Jésus a été adoré pour vous, Jésus lui-même dans Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Lui-même, il priait qui? Thierry. Maintenant, je garde cette bombe-là. Écoutez bien, je garde cette bombe-là pour vous. Le même verset ici-là, c'est pas écrit adoré, ici-là. Vous allez voir le mot qui est employé. C'est écrit honoré et non adoré. Donc, c'est une mauvaise traduction. Exactement, c'est écrit adoré là-bas, mais ils n'ont pas adoré dans le sens de le vouer un culte. C'est juste honoré, c'est une mauvaise traduction. Pour répondre clairement à votre question sans vous frustrer dans la. Pour vous élucider un peu la question. En fait, c'est pour dire, c'est vrai, dans Luc II a mis adoré. Dans la Bible des catholiques de Jérusalem, et ils ont mis ici, prosterner devant. Ici, là, on va lire maintenant la version, voilà, témoin de Jéhovah. Regardez la troisième Bible, donc regardez la version. Il lui rendit hommage. Et revenait à Jérusalem. T'as vu ici, les mots ont changé. C'est juste une mauvaise traduction. Personne n'a adoré Jésus. Parce que si quelqu'un devait être la première à adorer Jésus, oui, c'est Marie. Sa maman. C'est Marie qui était la première, qui devait être la première à adorer son fils. Parce que c'est elle qui savait qui il était. Atterrissage. Vas-y. Vous répondez à la même question du frère. Ok. Vous allez répondre à la question du frère. Et je vais te prendre un passage. Matthieu 28. S'il vous plaît. On attend le prêteur du modérateur. Modérateur. La première question, le frère a posé deux questions, il va répondre à la deuxième. Oui. Concernant si Jésus a été adoré, nous allons montrer un passage où Jésus a été adoré. Tous ces passages qu'ils prennent pour les livres de différentes versions, bon, je ne sais pas ce qu'ils veulent rechercher là-bas, mais on va montrer un passage simple où Jésus a été adoré. Frère, lis Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, le premier verset. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer.
Avant de commencer le débat, j'ai été voir le frère Oustaz, ses affaires de traduction et autres pour contrecarrer ce qu'on est en train de dire. On était d'accord qu'il respecterait les textes qui sont écrits. Parce que si on veut partir de tradition en tradition, c'est un autre débat. Je lui ai même proposé de débat sur la crédibilité de la Bible du Coran avant de commencer à contester avec les écrits. Mais il a dit que non, on n'a pas fait Jésus est Dieu. Il est là, si je suis menteur, il peut tout. Mais aujourd'hui, s'il n'est pas d'accord avec certaines traductions, je pense qu'il manque de sérieux. Ah, si, je suis pas d'accord. Oui, mais tu n'es pas d'accord avec adorer, c'est ce qui est. C'est adorer normal qui est chez moi. Il prend le ok, ça va. Il vient de dire qu'il est d'accord. On va continuer. Il vient de dire qu'il est d'accord avec ce qui est écrit. C'est bien écrit adoré. Sortons de la question de traduction là. Effectivement, Jésus était adoré. Concernant la deuxième question du frère. Maintenant, on va répondre à la première question. Concernant toujours la divinité de Christ. Venez du Matthieu 28. Jésus qui envoie ses disciples. Aller prêcher le message de l'évangile à toutes les nations, il donne l'instruction. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà Jésus qui donne l'instruction à ses disciples. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est français, c'est de façon plus simple. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils l'ont dit tout à l'heure. Si vous voulez prendre la version, vous serez perdus. Parce que vous n'avez pas reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et c'est nous qui avons reçu l'intelligence là. C'est nous qui sommes censés vous expliquer. Il dit, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, oh, le O, il n'y a pas de X à la fin. Le nom, il n'y a pas de S à la fin. Il dit, Père, Fils et Saint-Esprit. Ces disciples à qui Jésus a parlé, ils sont baptisés. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que Jésus a dit. Il dit, va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour l'homme Chanel, ça ressemble à toi. Mais il n'y a pas X à nom, à O, il n'y a pas S à nom. On va voir maintenant comment les disciples vont baptiser. Jésus les a fait baptiser, non? Comment ils vont baptiser? Nous sommes dans Actes chapitre 8, le verset 12. Les apôtres qui ont été instruits à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit vont maintenant baptiser au nom de Jésus-Christ. Je lis le texte. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Donc pour dire que Jésus a donné une instruction, il dit allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous on a cru en une erreur grammaticale parce qu'il n'y a pas Is à O, il n'y a pas S à non. Mais les disciples s'en vont baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais soyons concordants parce qu'on a pris un texte tout à l'heure pour dire que Jésus leur dit que quand l'Esprit de vérité, le Consolateur viendra, il va vous conduire dans la vérité. Moi, présentement, là, il y a beaucoup de choses à aboutir, mais vous n'êtes pas en mesure d'accepter, de comprendre ces choses-là. Amen. Voilà des choses que nous avons compris, que l'homme qui n'a pas encore cru en Jésus ne peut jamais comprendre. C'est pour ça que vous lisez la Bible, vous pensez que c'est une question d'intellect. Même d'intellect, avant vous montrer qu'on fait des erreurs. Quelqu'un envoie ses disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils vont baptiser au nom de Jésus. Parce que eux, selon 1 Jean 5, verset 20 et 21, ils ont reçu l'intelligence de connaître le véritable. C'est l'Esprit de Dieu que vous devez avoir pour que quand vous ouvrez les Écritures, vous pouvez savoir, comprendre que Jésus est Dieu. Si vous n'avez pas reçu cet esprit-là, allez à l'école islamique, allez à l'école d'Arabie Saoudite, allez à l'école aux États-Unis. Vous allez me dire, vous êtes des intellectuels Chanel qui vont jamais comprendre cette révélation. Je vous dis merci. Ok, merci. On va prendre deux derniers noms. Oui, voilà, deux questions et puis on va mettre. Ayouba est demandé, monsieur Ayouba. Ayouba est demandé pour sa question, l'avant-dernière. Parle fort. Après monsieur Ayouba, monsieur Dédé, on prend monsieur Dédé et puis on termine. Bonsoir à vous. Elle peut rester là-bas, ils vont lui envoyer du problème. Je vais vous poser une question. Vous affirmez que Jésus est Dieu.
Mais est-ce que vous serez capable d'affirmer que la, Marie a enfanté Dieu? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Gloire à Dieu. Quand quelqu'un pose des questions sages comme ça, on sait qu'il est dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas, qui veut apprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui veut te battre des choses de Dieu avec les œuvres de Dieu, nous éloignons de ces personnes-là. Faut comprendre le livre de Hébreux 3 à partir du verset 4. Le mystère de Jésus-là, ça sera toujours voilé pour vous. Parce que vous êtes pêche. Mais va vous révéler, vous êtes. Ceux que Dieu va sauver, il va les sauver. Alors je prends le test. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà, vous avez un test intéressant dans Hébreux. On vous a dit tout à l'heure que le même que le Père, c'est le même que le Fils, c'est le même que le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons montré tout à l'heure au travers de l'île de Matthieu, de l'île de Actes. Maintenant, Dieu qui décide de sauver les hommes, il va se mettre dans une chair humaine. C'est ce que le texte est en train de dire ici. On dit, Dieu dit, comme les hommes que je veux sauver là, ils ont participé à la chair et au sang, il faut que pour les sauver là, moi aussi, je participe à la chair et au sang. Voilà pourquoi Dieu s'est fait homme au travers de Jésus-Christ. Donc si Dieu s'est fait homme, il va respecter toutes les étapes de l'humanité. Il sera pépé. Écoutez-moi bien, il est perdu. Il va se faire pépé dans sa fonction chair. Puisque je cherche la manipulation physique de Dieu. Dans sa manipulation chair, on dit qu'il a participé à la chair au sang. Ça veut dire, il est né comme toi. C'est Dieu qui fait ça. Quand on parle de Dieu, les gens sont perdus. Ils ne sont pas comprendre. Ils sont d'accord qu'un mystique, peut être ça à braquer. Et puis en même temps, un esprit se retrouve en France ou bien à Korogo. Il se retrouve en France et à Korogo. Il croit à ça. Mais quand il s'agit de Dieu, il veut limiter Dieu. Or, eux même disent que Dieu est omniprésent. Dieu peut tout faire. Dieu peut se faire vomir. Dieu peut se faire feu. Dieu peut se faire tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. En fonction du but qu'il veut accomplir, il se fait ça. Comme on parle de la Bible dit, Dieu s'est fait chair et sang pour venir sauver les hommes. Donc c'est normal qu'il se fasse bébé dans le ventre de Marie. Mais si vous comprenez quelque chose, quand Jésus est né, il n'a jamais appelé Marie mère. Oui. À chaque fois, il appelle femme. Vous comprenez un peu? Mais Dieu veut dire, c'est pas homme pour répondre à la question du frère. Je vais te dire. Et donc, je lis un test pour étayer ce que le frère vient de brillamment exposer. On est dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole du Seigneur. Donc on peut dire que effectivement, le vrai problème auquel on est confronté ce soir, ce n'est pas une question d'établir dans la Bible si Jésus est Dieu ou non. Mais c'est une question de légitimer les différentes voies qui caractérisent les deux groupes. Et nous avons une foi qui est fondée sur quelque chose qui est entretenu depuis longtemps. Et nous savons comment Dieu s'est révélé au peuple d'Israël et comment il a marché avec eux et les choses qu'il a fait avec eux. Et aujourd'hui, les frères ont leur divinité et leur croyance, mais ils veulent que la Bible soit lue à la lumière de leur foi. Non, ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas la même foi. Et bien que les deux enfants qui caractérisent les deux principales religions qui se confrontent aujourd'hui sont issus d'Abraham, mais les foi qui les caractérisent sont différentes.
Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. On dit jusqu'aujourd'hui sans tout d'entendement. Et quand ils lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur visage de sorte qu'ils ne puissent pas percer le mystère de ce qui est écrit. Et ce voile-là tombe quand on a véritablement reconnu et rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que notre véritable défi ce soir, c'est de savoir à partir de quelle position on se tient quand on interprète les choses. Moi de bruit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, hein. Attendez, les gars, une minute, s'il vous plaît. Le train va sortir, si vous permettez, il va sortir avec sa voiture doucement, pardonnez. Hein? Il doit aller rompre le jeune à la maison. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On est tous musulmans, hein. Baissez un peu. Voilà. Comment tu peux sortir? Voilà, laissez-le sortir. Là, ça vous permet d'avoir plus de place ici. Voilà, on va arrêter le chrono. Allons-y, guidez-le, il va sortir, signalez-le pour qu'il puisse sortir. Modérateur, c'est bon? Modérateur, ok. Frère, oui. Faut pas crier pour t'humilier toi-même. Tu as crié, on n'est pas à l'église. Voilà, c'est à l'église, on crie et puis on dit rien. Ça dit, tu dis rien. Tu as pris un courage de dire, Jésus n'a jamais appelé sa maman mère. C'est pourquoi, en fait, vous voyez pourquoi les musulmans sont dans la vérité. Moi, je lis 17 Bibles, plus les 13 de Ismaël Aga. On a toutes les versions. Vous avez laquelle des versions? Lis-moi Jean 2. Verset 1 et suite, la Bible, parole de vie. Tradition, lui, second. Vas-y, frère. Continue. Le troisième jour. Il y a un mariage dans le village de Cana. Vas-y. En Galilée. Oui. La mère de Jésus est là. D'accord. D'abord, ils ont précisé la mère de Jésus est là. Maintenant, regarde la suite. Dis, on est calmé. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Et à un moment, oui, il n'y a plus de vin. Le vin a manqué. Alors la mère de Jésus lui dit. On précise encore, la mère de Jésus lui dit. Continue. Les gens n'ont plus de vin. Oui. Jésus lui répond. Oui. Mais. Non. Il n'a pas dit mais. Ah, il n'a pas dit mais. Donc ça c'est quoi? Vous ne connaissez pas la Bible. Venez apprendre la Bible auprès des musulmans. Et puis tu dis, Dieu peut tout faire. Dieu. Et puis d'ailleurs, frère, pourquoi quand tu lis Philippiens 1, voilà, Philippiens 2, verset 4, tu t'arrêtes au verset 9. On va lire le verset 9 à 11. Quand tu lis Philippiens là, faut pas t'arrêter. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, venu mourir jusqu'à la mort sur la croix. Le verset 9 dit, s'il vous plaît. Stop au micro et coupez le compte. Philippiens 2. Merci. Après, vous allez venir vous servir, Inch'Allah. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 9. Il s'arrête au verset 8. On va prendre le verset 9 à 11. Allons-y. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui? Jésus. Jésus est quoi pour vous? Dieu. Mais qui l'a élevé? Dieu, continue. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, pas devant Jésus, mais au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, oui, et sur la terre, et sous la terre. Et que toute la langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi vous ne lisez pas ça? Maintenant, toi qui aimes danser, qui aimes t'agiter beaucoup, tu dis il faut l'intelligence pour comprendre l'écriture. Oui. Mais nous, c'est ce que nous, on demande aux gens. Aujourd'hui, tu as changé, c'est plus Saint-Esprit, hein, c'est l'intelligence. Dieu merci, chaque jour ça change. Oui. Je dis passé, c'était il faut avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est il faut avoir l'intelligence. Oui. C'est bon. Nous, on demande aux gens d'avoir l'intelligence pour comprendre les écritures. Que? Mais avant même de chercher à comprendre les écritures avec l'intelligence, là, Dieu a donné une intelligence de pouvoir distinguer le bien et le mal. Le vrai du faux. Toi-même, la fois, on remue ton cerveau. Quand tu dis que Dieu peut tout faire, il peut devenir fourmi, non. Mais est-ce que Dieu peut devenir Satan? Ah, il regarde ailleurs.
il va te répondre, il te demande. Il va donner Satan. Non, pas mal. Enfin, oui ou non, il peut l'avance. Qui va dire oui ou bien non, il peut l'avance. Donc il dit Dieu ne peut pas devenir Satan. Donc il dit Dieu. Ah, il dit, c'est pas tout ce qu'on fait sur toi. Dieu prépare. Donc Dieu ne fait pas n'importe quoi. Merci beaucoup. Allons-y pour l'enseignement. Très bien, si tu réponds à ça là, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Point. À ton tour, tu vas répondre. À ton tour, quand tu vas prendre la parole là, tu vas répondre. Doucement. C'est... Vous êtes agité. Attends, mais pourquoi vous êtes fâché? Pourquoi? Tu as le Saint-Esprit et puis tu es fâché. Tu dis que Dieu peut faire tout. Il peut devenir fourmi. C'est qu'il peut devenir Satan. Alors que regarde, si tu dis que Dieu peut devenir Satan, c'est abomination. Pourquoi? Parce que Satan, c'est l'être qui désobéit, quoi. C'est un être. C'est le diable. Dieu ne peut pas devenir le diable et bien avoir être Dieu en même temps. Dieu peut-il créer un autre Dieu qui est éternel comme lui? Non. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est éternel comme lui? Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà Dieu éternel. Il ne peut pas créer un autre éternel encore. Parce que si je crée l'éternel, il y a déjà le début. Donc la chose n'est plus éternelle. Ça, c'est la première correction. Maintenant, on vous dit, nous, on n'a pas dit vous de parler à la place de Jésus. Vous n'êtes pas plus éloquent que Jésus. Vous n'êtes pas plus éloquent que les disciples de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Toi, il t'a posé la question, est-ce que Marie est la mère de Dieu? Faut dire oui, Marie est la mère de Dieu. C'est ce qu'il faut dire. Et puis on t'entend, en tant qu'évangéliste, il faut dire que oui, Marie est la mère de Dieu. Faut dire ça devant les gens. La caméra va te filmer. T'as dit oui, Marie est la mère de Dieu. Parce que tu dis, Dieu a pris forme humaine. Il était dans le ventre de Marie. C'est-à-dire que Dieu est dans le ventre de Marie. Quand Marie l'accouche, il devient quoi? Enfant de qui? Enfant de Marie, c'est Dieu. Maintenant, on vous a posé la question, j'ai dit passé. Je vous ai dit, asseyez-vous une minute et puis réfléchissez. Quel est le Dieu que Marie adorait avant d'être enceinte? On vous a posé ça, j'ai dit passé. Asseyez-vous puis réfléchissez. Elle adorait quel Dieu avant d'être enceinte? Elle adorait quel Dieu pendant qu'elle était enceinte? Et puis après avoir accouché, elle adorait quel Dieu? T'as vu Marie adorer Jésus? Toi, tu connais Marie quoi? Entre toi et puis Marie, là, qui est passé par adorer Jésus? C'est Marie. Mais quoi? Ouvre la Bible, montre-moi Marie adorer Jésus. Ou bien elle a invité les gens à adorer Jésus. Tu parles d'intelligence. Alors tu as l'impression que tu dois t'allouer. Donc Marie ne savait pas que son enfant était Dieu, quoi. Allah Akbar. Maintenant, écoutez très bien. Écoutez très bien. Nous-mêmes, c'est ce qu'on veut, l'intelligence. On veut l'intelligence. Parce qu'il faut l'intelligence pour comprendre. C'est parce qu'il y a l'intelligence qu'on vous amène à poser des questions. On vous pose des questions qui vous amènent à vous humilier ici. Allez, faites sortir le verset où Jésus a dit il est Dieu, il n'y a pas. Bon, montrez-nous les disciples ont adoré Jésus, mais ils ont pris Jésus comme Dieu. Il n'y a pas. Tu dis pour intelligence. Faut être intelligent. Mais c'est ça, on veut. Montrez-nous noir sur blanc. Où Jésus a dit. Tu dis qu'il est venu sur la terre pour ne pas dire qu'il est Dieu. Mais il est venu dire quoi? Qu'il a envoyé Dieu. S'il n'est pas venu dire qu'il est Dieu, alors il est venu dire quoi? Il a menti ou bien il nous trompe? Tu es Dieu et puis tu l'as envoyé. Tu te fous de qui? Ah, mon frère. Dis-nous, tu es Dieu et puis si il est Dieu, il est Dieu, il va dire, il est clair, il va dire. Parce qu'il veut que les hommes adorent Dieu et non les idoles. Donc il ne peut pas se cacher. Donc il ne faut pas faire ça, mon frère. Atterrissage. Prochaine question, si là non. Voici la dernière question. La sœur va poser la question aux musulmans et aux chrétiens. Et puis on va lever le voile. On voulait rappeler ceci. S'il vous plaît. Jeudi prochain, pardonnez. Ici là, c'est réservé aux membres de la sécurité de la DDR. Parce que ceux qui sont derrière ce plein qui ne voient pas. Or, normalement, personne ne doit s'arrêter ici. Sauf les membres de sécurité du groupe. Donc comme vous êtes déjà là, c'est pas grave. Jeudi prochain, Inch'Allah, on va mieux ordonner. Bismillah. Ma question est la suivante. Pourquoi vous attendez contre les musulmans? Il n'y a pas de problème, ma soeur. Pourquoi vous attendez la lune pour commencer le carême? Ou bien, si la lune ne sort pas une année, vous ne faites pas le carême. Je voulais demander la première question. Ah, comme c'est la seule fille du forum, c'est pas le thème exceptionnellement. On va lui répondre s'ils sont d'accord. Vous ne voulez pas? Les chrétiens n'y veulent pas, donc il faut changer. C'est pas grave. Si là, il y a là, t'es montré pour moi. La lune, c'est biblique. Non, je suis venu comme ça, c'est la première fois. Ok. Donc, je demande. Est-ce qu'on peut là? Et puis, la deuxième question. Attends, c'est le modérateur qui décide. On va laisser le modérateur de décider. Donc, la question n'est pas adressée aux chrétiens, ça nous adresse. 1. On est dans le mois de Ramadan. 2. Sa question concerne le Ramadan. 3. Dans quelques minutes, on va rompre le jeu. Et puis, c'est la dernière question. Et puis, il n'y a plus de questions. On répond pas. C'est une doléance
qu'est-ce qu'on vous fait, s'il vous plaît? Là, ce que je voulais faire. Ils disent que même s'il n'y a pas un chrétien, de prendre un musulman. D'accord, il n'y a pas de problème. On va prendre un musulman. Ma chère, on va te répondre après. Et puis quand on finit avec. Quand on finit là, on va te répondre. On dit c'est une fille. À l'église, on ne respecte pas les femmes, quoi. Attends, il faut lui donner le micro. Ma chérie, t'as vu, non? Ma chérie, t'as vu comme ils sont, non? Alors, qu'il n'est pas musulman, hein? Pose la question, première question même. Pourquoi vous attendez la lune avant de commencer le carême? Bien, c'est pas écrit dans la Bible, dans le Coran. Allah a écrit dans le Coran, bien, il n'a pas écrit dans le Coran, ce que je voulais savoir. Et puis la deuxième question. Oui. Pourquoi vous inclinez en fonction des points? Si vous cherchez le nord, bon, le l'est ou l'ouest, il ne sait pas. Je sais, je demande. Oui. C'est coranique. Et puis aussi. Oui, c'est coranique et puis c'est biblique. En fait, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Mais c'est toi qui fais ça, quoi. Je ne connais pas, c'est pour ça que je demande. Ah, ok, on va te donner. Surat 2, verset 189. On va lire pour le Coran. Hey, il dit, on dit là, ordinateur chargé de. Hey, mets-la dans son train. Alors, Surat 2, verset 189. La lune sert à quoi? Pourquoi? Et puis, ma soeur, une précision, c'est pas le carême. Les musulmans font pas le carême, mais on jeûne le mois du Ramadan. C'est les chrétiens qui font carême, surtout les chrétiens catholiques. Voilà, merci beaucoup. Vas-y. Merci pour la prise. Surat 2, 189. Surat 2, verset 189. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Si quelqu'un vient te demander si la lune, là, voici comment il faut le répondre. Dis. Elles servent aux gens pour compter le temps. Ainsi que pour la période de Hajj. Le pèlerinage. La lune Mama. Nous sert pour compter le temps. Quand la lune apparaît, nous savons nous sommes dans quel mois. Actuellement, nous sommes dans le 9e mois du calendrier égyptien qu'on appelle Ramadan. Donc, quand la lune a apparu net, nous savons que la période de jeûne est arrivée. Quand le mois finit, la lune elle disparaît, elle réapparaît. Et celui-ci. Notre calendrier, c'est la lune. Notre guide, c'est la lune. Et c'est biblique, ça. C'est ce qui me plaît, en fait. Vas-y, frère. Ecclésiastique 43, verset 6 à 7. Hey, ordinateur. Allons-y. C'est la lune. Oui. C'est la lune. C'est la lune qui marque les fêtes. Qui marque les fêtes. Vas-y, vas-y. C'est la lune qui marque les fêtes. La lune marque les fêtes. Comment on voit la lune, on fait quoi? Ça marque les débuts de notre fête. Donc on commence à jeûner. Et quand ça va marquer la fin de la fête, la lune doit réapparaître. Maman, regarde. Qui fait venir la lune? C'est Dieu. Très bien. Donc, on n'est pas guidé par nos passions, mais on est guidé par qui? Par Dieu. Machin. Alhamdulillah, c'est ça l'islam. Un chapeau. Cadeau. C'est la bonne la DDR. Voilà, c'est cadeau. Voilà. La deuxième question, c'est quoi? Pourquoi vous inclinez en fonction des. Vous cherchez le nom, bien l'air, c'est bon. Les quatre catégories. Merci beaucoup. On va prendre dans la Bible et dans le Coran pour te guider. Et puis, sache que. Je le dis souvent, hein, les musulmans, c'est la religion ordonnée. En fait, on ne fait pas n'importe quoi. Si on le fait là, c'est pas. D'ailleurs, même quand tu vas par exemple au village, un exemple, tu cherches le réseau. Nous captons le réseau avec le Seigneur pour l'adorer. Toute personne, l'Est, il se dirige vers la Mecque. L'Ouest, Nord, Sud, on s'oriente dans une seule direction pour adorer le même Dieu. Notre concentration, nos invocations vont dans un lieu, mais ce n'est pas Dieu qui habite là-bas. Voilà, c'est pour dire qu'on a un seul Dieu qui n'est pas le cas des chrétiens, on a une seule direction qui n'est pas le cas des chrétiens, on a un seul livre qui n'est pas le cas des chrétiens, on a une seule manière de se procéder. D'ailleurs, maintenant, notre procédation, c'est Jésus même qui le faisait, mais Matthieu 26, 39, il s'est procédé, il faisait encore quelque chose. On va te montrer quelque chose dans la Bible, on va te faire lire, je vais lire un verset dans la Bible et tu vas voir ce qui va se passer dans la Bible. Il y a quelque chose qui va se passer très, très important. Après ça, tu commences à me préparer, Somme 93. Oui, David, non? Voilà, Somme 95, verset 6. Voilà, Somme 95. Même si je me trompe, mais tu me corriges, je vous présente. Donc, on va lire le verset de la Bible. Un verset qui va nous raconter, qui va nous faire un fait. On va voir le fait. On va amener les gens qui vont faire le fait. Tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y. Néhémie 8. Néhémie, verset 8. Chapitre 8, verset 6. Allons-y. Au 4. Verset 4. Verset 4. Estra, le scribe, était placé sur une estrade. Estra, le scribe, voilà. Alliez pour la musulman. Place le scribe qui est là. Vas-y. Estra, le scribe, est placé. Prends la caméra là-bas. Ah, vous sentez. Prends la caméra, mettez ici. Arrêtez ici, la caméra. Voilà. Mettez-moi, non. Vas-y, lecture.
Esdras le scribe était placé sur une Esdras de bois. Oui, sur une Esdras de bois, voilà si. Le laissait à cette occasion auprès de lui à sa droite. Oui, je tenais Matitia. Voici comment la serpent commence. À droite jusqu'à la gauche. Voici Matitia là-bas. Shema. Voici Shema. Anaja. Anaja. Uri. Uri. Elkija. Et Maseja. Allons y la suite. À sa gauche. À sa gauche. Pédaja. Pédaja était là. Lahel. Tout cela. Malkija. Zacharie. Et Meshulam. Oui. Esther ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Voilà, je reçois le livre à la vue de tout le monde. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. C'est moi qu'on a choisi aujourd'hui comme imam. Vas-y. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tient en place. Tout le monde ça va. Comme toi. Esther bénit l'Éternel, le grand Dieu. Amen. Tout le peuple répondit Amen. Amen. Ensuite, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel pour le visage de Dieu. On voit que cette maman, regarde, c'est la Bible. C'est la Bible qui te montre le mécanisme de la prosternation. Parce que regarde, la prosternation, c'est dans la prosternation à Dieu que se retrouve, que se trouve la véritable adoration. Exemple, regarde, Satan a tenté Jésus, n'est-ce pas? On dit Satan prend Jésus. Il envoie Jésus sur une montagne et il fait voir le monde à Jésus. Il dit Seigneur Christ, si tu sais que tu es le Fils de Dieu, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je vais te donner tout ça. Maman, regarde, pourquoi Satan demande à Jésus de se prosterner devant lui et de l'adorer? Maman. Parce que Satan sait très bien que l'adoration véritable de Dieu se trouve dans la prosternation. Le visage contre le sol. Et quand on met le visage contre le sol, dans le but de vouer qu'une à quelqu'un, ou bien dans le but de vouer qu'une à Dieu, est dans la véritable adoration. Voilà pourquoi ceux-là même qui adorent le véritable Dieu avec les juifs, c'est les musulmans. La preuve. Quand tu passes devant les mosquées, tu ne vas pas trouver en chant, ni en danse, ni en chasse de démons. Il n'y a pas ri papa, il n'y a pas ri popo. Prosternation devant Dieu. Somme 95, verset 6. David dit, oui. Venez, prosternez-nous. Prosternez-nous. Fléchissons les genoux. Humilions-nous. Oui. Et fléchissons les genoux. Oui. La face contre terre devant notre Créateur. La face contre la terre devant notre Créateur. C'est ce que le diable ne veut pas. Mettre son front devant le Dieu qui t'a créé pour montrer que tu n'es rien. À la tête, tu es sorti de la tête, tu vas répartir. Donc Dieu nous montre que la véritable adoration se trouve dans ça. Voilà pourquoi nous disons, le diable n'a pas qu'à de rentrer là-bas. Parce que là-bas, on adore le véritable Dieu de la prosternation. Mais si tu vas dans un endroit où on danse sur le poteau, c'est là-bas que le diable va. Tu m'as demandé, tant que tu ne mets pas ta tête par terre, tout ce que tu fais, c'est pas ça. En ce qui concerne l'adoration. Oui. Non. Tu ne t'es pas humilié devant Dieu là. C'est rien, tout ce que tu fais là. Parce qu'il y a louange. Il y a la louange à ne pas confondre avec l'adoration. Tu peux louer Dieu sans pour autant te procéder. Mais si tu es dans le but de l'homme, si tu veux. Tu es prêt de mettre ton front par terre d'abord pour savoir que tu te promènes. Comme Jésus le faisait. Comme Jésus le faisait. Tu dois mettre ça. Si c'est dans la. Je dis, mais si c'est dans le but de l'adorer. Si tu veux vraiment lui vouer un culte exclusif et montrer que tu es soumis à lui. Parce que être soumis, c'est être musulman, c'est être soumis à la volonté d'Allah. Donc si tu veux montrer que tu es vraiment insoumis, tu te prosternes. La prosternation est signe d'humilité. Tu montres que tu n'es rien malgré ta beauté, tu mets ton sale visage là devant Dieu. C'est lui le supérieur. Tu vois, non? C'est pour montrer que je suis rien, Seigneur. Malgré tout ce que j'ai, malgré tout ce que je suis, je ne suis rien devant toi. Dans ce sens-là, tu es temps de l'adorer. Maintenant, si tu veux chanter, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. C'est ton problème. Merci. Merci, j'ai dit prochain rendez-vous. Donne-lui, voilà, conclue. Et puis on va rentrer, Inch'Allah. Prends le temps. Il n'a pas s'approcher. Non, non, assieds-vous. S'il vous plaît, c'est pas encore fini. C'est pas fini. Prenez votre place, s'il vous plaît. Voilà, ce n'est pas fini. Asseyez-vous. Et le vif, il est en les frères à toi, conclure. Approchez-vous du micro, faites un peu vite. On a parlé, vous devez conclure. Parce qu'il faut qu'on se sépare de façon conviviale. Par les frères de l'esprit, de fraternité, et à ceux qui nous regardent également. Attendez, c'est pas encore fini, on n'a pas encore fini. Les gars de la sécurité, mettez le feu, s'il vous plaît. Cher ami, vous avez 5 minutes, allons-y. Non, on parlera plus, dis ce que vous avez dit. Para la
Ok. J'arrête de parler, n'est pas entendu. Nous allons conclure. Nous sommes venus ici pour confirmer notre foi, pour parler de la divinité de notre Seigneur, parce que nous croyons fermement que le même Dieu, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une image qui est simple, et c'est ce que nous avons expliqué au travers de Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 28 à partir du verset 19, ce que nous avons lu tout à l'heure. Au nom du Père, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est la même chose. C'est ce que je veux dire. En tant que mot, c'est que vous devez comprendre que Jésus de Chakari, même au milieu des hommes, la même personne peut être premier ministre, la même personne peut être député, la même personne peut être maire. Quand il est dans sa fonction de maire et qu'on demande de créer au gouvernement, au chef du gouvernement, même si c'est le même, on a dit avec le cas de notre. De ce premier ministre Ahmed Bakayoko. Il était premier ministre, il était député de Séguéla, et en même temps il était maire d'Abobo, commune d'Abidjan. Le même. Donc si on leur demande à tous les maires de Côte d'Ivoire, on demande à tous les députés de Côte d'Ivoire d'écrire à monsieur le premier ministre, on va voir Ahmed Bakayoko lui-même, député de Séguéla, c'est écrit à lui-même. C'est comme ça qu'on ne peut pas comprendre Jésus est en train de prier le Père. C'est la même personne qui se parle à lui-même dans une fonction différente. Parce que là, il est de la fonction du Fils. Il doit respecter la fonction du Fils. Le Père est plus grand que le Fils. Et le Saint-Esprit parle au nom du Fils. Or, c'est la même personne qui joue ce différent rôle. C'est ce que nous voulons faire comprendre. Mais nous croyons que le Seigneur, dans toute sa puissance, va convaincre. Déjà, vous convaincrez cette personne parmi vous. Je donne la parole à mon frère qui va terminer. Oustache, on n'a pas le respect qu'il faut. Hein. Voilà, le frère Oustache, au développement, a dit que le fait que Jésus-Christ prie dans le Gethsémani, c'est la preuve qu'il n'est pas Dieu. Mais dans le Coran, sourate 33, 56, on dit Allah et ses anges prient pour le prophète Muhammad. Vous qui croyez, priez pour le. Mais Allah, il priait qui? Voilà ça, il y a ça ici. Sourate 33, 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. Voilà. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Ce qui est évident, c'est que nous n'avons pas la même foi. Et donc, l'interprétation pose problème au niveau de ce en quoi nous avons cru. On a de l'autre côté des frères qui veulent lire la Bible à la lumière de leur foi musulmane. Et nous, qui avons reçu la foi chrétienne, nous lisons comme il nous a été communiqué d'interpréter les Écritures conformément à plein de paramètres. Et nous avons traversé le débat et nous avons surtout insisté sur un point. Jésus-Christ a été annoncé comme Dieu qui viendrait lui-même. Et Jean dit qu'il ne nous a pas dit ouvertement qu'il est Dieu, mais il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous, voyons, nous sommes dans le véritable en son Fils. Jésus a été identifié au Fils, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Et notre foi, c'est cela. Merci pour tous ceux qui ont été ici pour voir se manifester la vérité. Merci à vous. Nous avons deux points de vue qui se sont confrontés. Je crois que chacun a pu faire sa propre conclusion. C'est le peuple de Dieu qui gagne. On vous dit merci et à une prochaine fois. Merci pour votre franc-parler également, parce qu'on a débattu avec des gens qui sont pervers. Voilà, le match était chaud, mais on reste des amis. Venez nous saluer. Voilà, venez nous saluer. Bon, en tout cas, je me dis à cause de la foule, en fait. Voilà, merci beaucoup. On reste en contact. Voilà, je vous dis que chrétiens, musulmans, on ne peut pas s'entendre, on reste des frères. On est en Côte d'Ivoire, on est un pays. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai dit que je suis en Ismaël, je dis, il y a un coup, hein.